Coucou, me revoilà aujourd'hui donc pour une seconde vidéo donc sur la série de Noël. Donc là, je pense que ça sera la dernière hein, parce qu'en fait j'ai pas vu le temps passer. J'aurais dû m'y prendre un petit peu plus à l'avance. Donc je pense que ça sera le dernier tuto par rapport à Noël. Donc aujourd'hui on va réaliser tout simplement un petit bougeoir ou un petit photophore si vous préférez. Donc dedans j'ai mis une fausse bougie et vous voyez. Voilà. Avec une petite étiquette là. Donc je suis dans ma période avec les serres, tout ça, donc j'en mets partout. Voilà. Donc on va faire ça ensemble. Donc ça va très très vite, c'est très très simple. Pourquoi pas faire avec vos enfants si vous en avez. Donc vous pouvez. Moi, je l'ai décoré comme ça, mais après, vous le faites à votre sauce. Pourquoi pas l'offrir une déco chez vous, hein, pour Noël, comme ça, ou sur votre table de présentation. Après, vous pouvez faire aussi en home déco, tout simplement, comme ça, pour tous les jours, hein. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai utilisé un grand verre avec une fausse bougie. Donc, on va prendre ceci. On va prendre un morceau de feuille de calque pour tout recouvrir le verre, hein. Comme ceci. Vous voyez, voilà. Donc moi je vais prendre juste un petit morceau de double face pour coller mon calque. Voilà, donc je le mets sur le bord. Donc on essaie de mettre le plus droit possible. Ce qui nous donne ceci, hein, c'est tout simple hein, jusqu'à présent. Je vais faire un petit rabat en haut, un petit pli pour donner, pour faire un petit style. Hein. Comme ceci. Ensuite, donc je vais faire pratiquement le même, sauf que je vais changer les couleurs. Donc là, j'ai repris mon petit, ma petite découpe que j'adore. Donc on va venir le coller tout simplement. Au niveau du pli là, comme ça. Pareil, j'utilise du double face. Alors moi, ça sera pour offrir, parce que du coup que j'ai fait montrer à une amie avec que je lui en fais un, du coup ça sera pour elle. On vient le placer là. Comme ceci. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre de la petite cordelette. Donc là, j'ai pris blanche. Et on va venir faire le tour en bas. Donc après, c'est à vous de voir si vous faites deux ou trois tours. Donc pour moi, ça sera trois tours. Voilà, et on fait un double nœud tout simple. Voilà, et on va venir couper le surplus. Comme ceci. Vous voyez, c'est très très simple. Hein. Voilà. Ensuite, je vais reprendre une autre ficelle. Donc là, c'est de l'or. Pour que ça brille un petit peu. Hein. Et pareil, bah là, je fais qu'un seul tour. Et je viens faire encore un nœud. Un double nœud. Voilà.
Je coupe également. Recouper un petit peu là. Comme ceci. Après, donc j'ai préparé une petite étiquette déjà avec la ficelle. Donc Merry Christmas. Donc ça, c'était dans le kit que j'ai trouvé chez Lidl. Donc j'adore ce kit, je trouve ça très moderne et les couleurs, c'est. Voilà, c'est maintenant quoi, le or. Donc là, je vais placer sur l'oreille. Voilà. Je vais prendre un autre petit embellissement, donc un petit flocon, pareil, du kit. Je vais mettre une petite pointe de colle. Je viens le placer en bas. Voilà. Et là, pour faire le centre de mon petit flocon, je vais prendre un petit sequin or pour faire rappeler le ruban. J'attends que ça sèche un petit peu. Ouh. Non, ça colle pas du tout avec la colle. Je vais mettre une boule de scotch. Avec la colle de chez Stampin' Up, ça tient pas. Donc je vais prendre la scotch, hein, ça sera plus simple. Voilà. Donc voici. Le rendu, hein, c'est très très simple, c'est très. Moi j'aime bien. Hein, Donc voilà. Je vais vous l'allumer. Mais on verra pas grand-chose vu que je me suis mis de ma fenêtre pour que vous voyez bien. Vous voyez, le tuto a été très simple, très vite. Donc si vous le réalisez, n'hésitez pas à prendre en photo et me le faire montrer. Je serais très très ravie. Voilà ma petite lampe. Donc ça vient de chez Action. Voilà, vous voyez. Et dans le noir, ça rend super joli. Très très joli. Voilà. Donc ben, j'espère que ce tuto vous a plu. Que j'ai quand même assez bien expliqué parce que du coup j'étais très très vite là. Donc voilà. Vous voyez, en plus il faut peu de matériel, du calque, une découpe, de la ficelle, quelques embellissements et le tour est joué. Un verre, vous avez un lot de verre à Action, les 6 pour 2 euros même pas. Donc allez-y, foncez. Et en tout cas, ben, je reviendrai lundi pour le résultat de mon petit jeu pour gagner le mini-album hein, que je vous avais fait montrer en vidéo. Donc pour celles qui n'ont pas encore participé, donc il faut aimer ma vidéo, être abonné, ça serait bien, et partager mon tuto si l'envie vous donne de le partager. Voilà. Donc en tout cas, je vous fais des gros gros bisous. Je vous mettrai une photo sur Facebook, ça sera plus simple. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le Scrap d'Aurélie. Et voilà. Je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!